dégueulasse, mais alors dégueulasse. Ah non, c'est pas bon. Oh mon dieu. Mais comment vous faites, sérieusement? Mais vous allez jamais me croire. Attendez, attendez, attendez. Mais comment vous faites pour manger ça en public? Ça là, c'est quoi cette crème là? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne saurais même pas vous dire où est-ce qu'elle est sortie avant, mais en ce moment tout le monde fait cette vidéo. Et comme j'ai des goûts assez particuliers, je me suis dit que ça pouvait être trop marrant de la faire. Je suis allée acheter plein de choses, vous voyez pas, mais tout est étalé ici chez Monoprix ce matin, j'en ai pour une blinde d'ailleurs. Mais ne vous en faites pas, rien ne sera gâché dans cette vidéo car j'ai un mec qui mange absolument tout ce qui bouge. Par quoi je vais commencer? J'ai pas pris énormément de salé, mais là le salé que j'ai ça me dégoûte trop, genre c'est trop hard pour moi. Bon, on va commencer par le classique. J'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui aime ça, enfin je comprends pas trop le délire en tout cas. Les Pimps orange. Alors déjà, je trouve ça dégueulasse, mais alors dégueulasse. Tous les chocolats à l'orange, tous les trucs à l'orange en général, même les bonbons, tous ces trucs là. En vrai, on va voir parce que je vais regoûter des aliments que j'aime pas. Mais si ça se trouve, il y a plein de trucs que je vais grave aimer. Parce que vraiment, moi quand j'aime pas un truc, je n'en mange plus jamais de ma vie. Déjà, c'est quoi cette manière de s'ouvrir là? Ah ok, c'est moi qui fais de la merde. My bad. Goûtons. En plus, j'ai trop faim, du coup c'est un peu bizarre comme sensation. D'avoir faim et de manger des trucs qu'on aime pas. Ah c'est dégueu, c'est trop bizarre. Le gâteau est bon, le chocolat qui craque mélangé au moelleux du gâteau, c'est super bon. Mais alors l'orange c'est tellement chimique, genre... Non, l'orange c'est pas bon. C'est du rapide comme dégustation. Ah non, c'est pas bon. D'ailleurs, pendant toute la vidéo, donnez-moi votre avis sur tous les produits que je goûte. Parce que je sais pas en fait si c'est que moi. Ensuite, qu'est-ce que je vais goûter? Venez, en vrai je goûte ça. La laitière. Mais mon dieu, ma phobie. Et ça... J'en ai goûté qu'une seule fois dans ma vie, je me rappelle. C'était au centre aéré et j'ai trouvé ça ignoble. Mais ça, je suis incapable de me mettre dans ma bouche, je crois. Oh mon dieu, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte trop. Comment tu peux aimer du riz dans un yaourt? Ça n'a aucun sens de sentir le goût du riz là dans ce yaourt tout gélatineux là. Les trucs que j'aime pas. Ensuite, venez, je goûte un truc salé. Les cornichons. Alors, ma relation avec les cornichons est assez spéciale. C'est super bizarre parce que il y a des moments où j'aime, il y a des moments où j'aime pas. Genre les cornichons, en fait non, c'est pas ça. Les cornichons, j'aime pas. Mais par contre, un jour, une heure dans ma vie, comme ça, une fois tous les 4 ans, je vais avoir genre envie de cornichons. C'est super bizarre. Mais attendez, imaginez, j'arrive pas à l'ouvrir. J'en ai foutu partout. Quelle idée de faire ça dans son lit, une dégustation dans son lit. Après le riolet, Ah, je savais pas que c'était aussi acide, je me rappelais plus. Ça me dégoûte. Dans le jambon beurre à la boulangerie, quand tu mets des cornichons. Non, c'est pas ma phase cornichon. Je trouve que les cornichons c'est bon que quand tu les manges vraiment comme ça, quand t'es dans la bonne phase. En fait, il y a un truc que j'ai acheté. En fait, je vous ai même pas dit comment j'avais fait les courses parce que, en gros, j'avais quelques idées. Mais en même temps, je me suis dit au feeling, genre, je vais aller chez Monop, je vais faire tous les rayons, je vais regarder ce que je déteste et je vais acheter. C'est ce que j'ai fait, mais ça vraiment, genre, c'est au point où j'ai pas envie d'en manger là à la caméra. Genre là, je veux pas. Oh mon dieu. Ouh, c'est pas bon. Ah, ce goût qui te prend la bouche. Mais comment vous faites, sérieusement? Blah. Je sais pas quoi manger. On va faire une pause boisson. Alors là, le Sprite. Vous savez ce que ça me rappelle? Chez mon arrière-grand-père, il y avait toujours une bouteille de Sprite dans le frigo. Et un jour, j'avais soif. Et genre, je me suis servie en me disant, c'est trop bon, c'est un truc, je sais pas. Mais c'est ignoble. Et du coup, vraiment, depuis, j'en ai jamais rebu. Moi, vraiment, je vous dis, quand il y a un truc que j'aime pas, faut même plus m'en parler après. La limonade, je me rappelle même plus du goût que ça a. Mais c'est de la limonade. Pourtant j'adore la limonade. Le goût original. Mais c'est bon, c'est la limonade. Peut-être que c'était pas l'original qu'il avait dans son frigo. Parce que ça c'est super beau. C'est dingue la vie. Je comprends rien. Cette vidéo n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. En vrai j'ai plus envie de manger là. Ok, je sais ce que je vais goûter. Ça sert de corps. Les chips aux crevettes. Quand j'ai vu ça au Monop, en fait à la base je voulais me prendre des Pringles pour moi. J'ai vu ça, je me dis ça c'est parfait parce que alors ça vraiment, mon frère il en mange tout le temps, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Je trouve ça mais ignoble. J'ai jamais regoûté depuis mon enfance. Ils sont bons, trop bizarre. Mais c'est super bon. Attendez, c'est quoi ce délire? Chips aux crevettes. Attendez.
mais vous allez jamais me croire. Je vous promets. Je pense que c'est logique parce que les goûts changent quand on grandit, mais je vous jure que quand j'étais petite, c'était ma phobie. Je voyais mon frère manger ça, j'avais envie de crever. Là, c'est un mystère pour moi. Je trouve ça super bon. Genre, c'est pas juste oh non, ça va en fait. C'est genre, c'est super bon. Là, je pourrais manger tout le paquet. Je suis choquée. Comme quoi, dans la vie, on est surpris. Là, c'est une grande découverte pour moi. J'en mets partout dans mon lit. Les miettes dans le lit. Bon, prochaine étape. Alors là, bon, on va me juger. Les arlequins. Ça, j'ai l'impression que c'est genre le truc de mon enfance. Tout le monde mangeait ça tout le temps. Genre, c'était le truc. Tout le monde en raffole en fait. Donc, j'en ai acheté pour le goûter. Et évidemment, je n'ai jamais goûté. Pour le coup, moi, je suis vraiment pas très bonbon. Après, si je commence, je m'arrête plus comme tout le monde. Mais genre, je préfère les Pringles. Oui, les Pringles, c'est vraiment le truc. Quand j'ai envie de manger de la merde, je mange des paquets de Pringles. Et j'aime trop ça. Alors, il n'y a pas de goût. Genre, c'est tous les mêmes. Je vous ai dit, je déteste les trucs à l'orange. Et genre, j'avais trop l'impression que ça avait le goût d'orange et tout. Il y a un goût bon et en même temps il y a un goût pas bon. Il y a vraiment les deux. Mais les gens quand raffolent, faudra m'expliquer, je comprendrai jamais de toute façon. Attendez, je veux bien tester. En vrai quand même si c'est bon. Désolée. Je suis perturbée en fait d'aimer genre les chips de crevettes, d'aimer genre des trucs, ça me perturbe. Les arlequins, franchement, je sais pas quoi en penser. Genre, j'en achèterai pas, j'en prendrai pas pour moi. Moi, j'en raffole pas, tu vois. Mais c'est pas mauvais. Il reste deux choses. Franchement, c'est les deux pires, je crois. On va faire les millefeuilles, mais ce genre de millefeuilles là, avec ce truc au-dessus là. Ah ça pue, je déteste ça. Il y a un truc particulier que j'aime pas dedans. Je sais pas ce que c'est mais allez là, ouvre-toi. L'odeur est répugnante. Mais vraiment, je suis désolée si vous aimez ça. Mais pour moi, c'est vraiment le pire truc. Genre, je trouve ça mais dégueulasse. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Genre, ça là, c'est quoi cette crème là? Et ça là, c'est quoi ce truc? Je trouve que ça pue. C'est un millefeuille, mais il y a des millefeuilles qui sont bons. Genre, je sais pas, mais vous savez, ces trucs là, avec les pavés au-dessus, quand j'ai vu ça, je me dis, ah ça, là. Oh bah déjà ça se coupe même pas. Ah ça se coupe même pas correctement. J'ose pas, j'ai peur de vomir. Non mais ça, c'est le pire de la vidéo. Je vous jure que ça c'est le pire de la vidéo. Comment vous faites pour manger ça? C'est du délire pour moi, ça me paraît dingue qu'il y ait des gens qui aiment ça. Je suis désolée de vous juger, mais c'est vrai, ignoble. Je vais boire du Sprite. Y'a rien qui va là, je peux pas manger ça. Ah c'est le pire de tous les trucs que j'ai goûté là. Bon le petit dernier, et celui-ci c'est celui où vraiment vous allez vraiment me juger. Parce que ça je pense honnêtement, je suis la seule au monde qui n'aime pas ça. Et j'ai toujours un livreur qui m'appelle quand je filme. Ok, bah je pars avec mon micro, il va me dévisager. Bonjour. Alors attendez, oh, j'ai reçu un cadeau pour les 100K. Des cookies. 2 hours later. J'annonce, je viens de me goinfrer de cookies. Je disais quoi déjà? Vous allez me détester! Les Oreos! Je trouve ça mais dégueu. Les seuls Oreos que j'aime, c'est les Oreos vanille, je sais plus c'est vanille, chocolat blanc, je sais plus, vanille je crois. Les Oreos blancs quoi, avec le paquet jaune. Genre c'est pareil, prendre un McFlurry Oreo, mais vous avez complètement craqué ou quoi? C'est pas bon les Oreos. En fait, ce que je trouve horrible avec ça, c'est le noir. Le noir là, t'en manges, t'en as partout dans la bouche et tout, mais moi ça me dégoûte. Mais vraiment, je n'ai jamais compris ce délire avec les Oreos, parce que les gens qui aiment les Oreos, j'ai l'impression qu'ils vivent pour les Oreos. Ah ouais, mais c'est trop bizarre. Désolée, je comprends pas. Je te jure que j'en ai dans les dents. Ça me dégoûte. Mais comment vous faites pour manger ça en public? Ça colle et tout. C'est du délire. Ouais, non. Puis vraiment, moi c'est McFlurry Oreo qui me choque le plus. Arrêtons ce massacre. Bon, je m'arrête là parce que franchement ça va. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était marrant à faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je suis active un petit peu tous les jours et puis c'est très cool. J'arrête pas de le dire ce mois-ci, mais dans une semaine il y aura une big annonce. Voilà. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.